et Henri Gillet et je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, c'est parti pour un vlog par jour. Vlog numéro 13. Alors aujourd'hui, on se rend au Cellier à Reims, juste à côté de la mairie, pour voir une boutique éphémère très particulière surnommée l'Hyper Noël, alias le marché des créateurs. C'est parti. On va un petit peu voir mon niveau de force. C'est parti. Ouais, je suis un peu costaud si vous voulez. Alors en fait, ça commence super bien parce que je me suis trompé de truc. Je suis allé à un truc, c'est pas du tout l'Hyper Noël. Je me disais aussi, c'était bizarre. En fait, c'est juste là. Alors déjà, un point positif, c'est qu'il y a du chauffage. Alors là, je suis content. Alors là, c'est bien. Qu'est-ce que vous vendez, vous? Des coussins, fait main. Des petits coussins, très sympa. Surtout des coussins d'animaux, c'est ça? Exactement, je suis canadienne, donc inspirée d'accord. Par cette faune. Moi, c'est les productions Chacha. J'expose beaucoup de produits couture, surtout pour l'univers des enfants. Donc, il y a des petits chaussons, il y a des pommes musicales, il y a des petits porte-monnaie, porte-cartes en cuir, et puis je fais un peu des broches et des sacs. Voilà. D'accord. Tout ce qui est papeterie, c'est ma sœur qui fait des études de design graphique à Lille. Ouais, je suis posée avec ma go là, tranquille, pépère. Mais attendez, même lui, il a une go là. Comment ça se passe? Comment ça se fait? J'ai un site internet qui s'appelle Le Marché Super, sur lequel je vends 47 artistes de Reims. Donc en fait, ce qu'on voit là, il y a une vingtaine d'artistes différents qui sont présentés, parce que d'autres ont déjà leur stand. Moi, je m'occupe des gens qui ne sont pas présents. Et du coup, ouais, qu'est-ce que vous vendez beaucoup de choses? C'est vrai qu'on voit des CD, des créations. Voilà, ouais, c'est très très divers. Il y a énormément d'univers différents. Parce qu'il y a par exemple de la photo imprimée sur verre, il y a des cartes postales, il y a des disques, il y a une maquette de la cartonnerie en Lego, il y a un calendrier, il y a des badges, il y a des bijoux, il y a vraiment tout, il y a des peluches aussi. Voilà. Et tout ça, ce sont des artistes de Reims qui vendent et qui fabriquent tout ça ici. Ok, alors là je vais vous présenter Claire. Claire, c'est la personne chez qui j'ai fait mon stage de 3e et qui est graphiste. Alors j'ai deux stands en un en fait. Je présente mon travail de graphisme et d'illustration. Donc ça va être des affiches, des petites cartes postales sérigraphiées, des broches, des pins et également de la vaisselle vintage parce que je m'ennuie dans la vie, alors je rajoute du travail. Et j'ai créé un site marchand qui s'appelle lecitrongivré.com sur lequel je vends plein de vaisselle chinée avec ma maman et ma grande sœur. Il y aura un petit lien dans la description si vous voulez aller voir son travail. C'est possible. Je me balade sans savoir vraiment où je vais en fait. Mais c'est cool, c'est beau. Alors ça, je crois que c'est le bureau du patron. Regarde, on va faire une petite blague. Bon, alors je vais peut-être y aller parce que je viens de voir un gars là-bas. Je suis pas sûr que j'ai vraiment le droit d'aller ici. On y va. On arrête de faire les cons. Allez, maintenant cours. La journée se termine, c'était vraiment très sympa, il y avait de très belles créations, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des contacts, donc l'Hyper Noël, franchement. Et en plus, on a Claire qui nous apporte de la bière, ça c'est super cool ça. C'est pas vrai. Je ressors,
et il fait noir. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà. En attendant, je vous dis à demain. Ciao.